Pour une simple critique, Lady Ponce, tu prends ça mal comme ça là. Attendez, moi-même là, j'ai eu de la peine à remarquer, sans le nom Lady Ponce, vous pouvez imaginer que c'est toi. Et même pas ça, c'est le quotidien des artistes. Utiliser les filtres, se maquiller avant de poster, c'est normal. Là, c'est chez nous parce qu'on n'a pas assez les dos. Mais de l'autre côté là-bas, c'est les opérations plastiques, chirurgicales, tout ce qui va avec. Hein? Voilà, donc tu as mal pris. La critique aussi est bonne, hein? Surtout quand elle est constructive, surtout quand on attire ton attention. Moi-même, j'ai eu de la peine à te connaître. C'est pas normal. Ouais, Lady Ponce, pour une simple petite critique, tu risques gros comme ça là. Merde, 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 merde. Tu sais que dans un pays normal là, laissez-moi les petits soutiens à 2 balles là. Tu sais que tu as détruit ta carrière, non? C'est ça, la triste réalité. Être personnage public, star, célébrité, c'est ça le problème. On ne cherche pas à savoir si lui il a tort ou raison. Ou toi, tu as raison avant de répondre comme ça. Non. On cherche à savoir comment tu t'es comporté face à la critique, face à l'attaque d'un fan. C'est clair. C'est comme ça. Un artiste, c'est une entreprise. C'est-à-dire, les gens utilisent son nom, son image, en bien ou en mal, pour exister. C'est clair. Vous n'avez pas compris ça. C'est aussi le showbiz. Et on te guette. Tu réponds de la mauvaise des manières, tu perds tout. Par exemple, regardons Will Smith. Oh, wow. Will Smith just smacked the shit out Will of him. Smith vient de me retourner une baffe. Il a presque tout perdu. Les contrats, annulation de ceci, de cela. Faisons beaucoup attention. Demain, vous êtes surpris qu'on va chercher les artistes d'ailleurs. On vous laisse, vous les artistes du terroir. Mais l'image d'un artiste, c'est son fonds de commerce. Sa vie publique, c'est son fonds de commerce. On s'en fout qu'un artiste mange 10 fois par jour, 5 fois par jour, que ses enfants vont dans les grandes écoles, qu'il a les immeubles. On s'en fout qu'il a les milliards en banque. On s'en fout de ça. Sa vie, c'est en public. Et avant de répondre, il faut bien réfléchir. Sinon, tu t'attaques à toute une communauté, ceux qui ont les enfants comme elle, ceux qui ont les frères, qui ont les enfants pareils, ceux qui ont les parents pareils, qui sont tes soutiens, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Quand on est un personnage public, notre vie doit être comme un matelas. On encaisse. On a tort. On encaisse. On a raison. On encaisse. Mais oui, voilà pourquoi vous voyez dans d'autres cieux, d'autres se suicident. Overdose. Voilà. Faisons beaucoup attention. Tu t'es emporté. Et c'est pas bien. Demain, quand on va aller chercher les Falis, vous allez crier, mais regardez le comportement de Fali. Face à une fan qui a les formes, qui se retrouve sur la scène. Qu'est-ce qu'il fait? Il accueille. Mais il a des manières. Il ne colle pas. Regardez. Après ça, la sécurité la ramène tranquillement. Classe, respect. Pourquoi il ne doit pas signer le contrat? Parce que c'est ça la vie d'un personnage public. Alors que parfois, ils sont même plus pires dans le noir. Et spécialement en privé. Ah oui. Mais, hélas. On n'est pas là pour voir ça. C'est le jour que ça vient en public que ça lui crée des problèmes. Donc ce que l'artiste fait dans le monde, on s'en fout. C'est ce que tu fais en public que les gens vont regarder. Voilà le piège qui est derrière. Tu as raison. Mais ta manière de répondre et de te comporter en public te condamne.